Donc, évidemment, lorsqu'on va monter nos boîtes pour le rucher, il y a un côté. Faites attention, regardez la poignée. Il faut qu'elle soit vers le haut. Donc, vous assurez que vous mettez la poignée vers le haut des deux côtés. Il s'agit simplement de retourner la boîte. Même chose pour les bouts aussi, vous assurez toujours que ce soit sur le bon côté, que les poignées soient vers le haut, qu'on puisse, lorsque la boîte est assemblée, qu'on puisse la soulever en utilisant les poignées. Comme vous pouvez voir, les parties s'imbriquent une dans l'autre. On va aller déposer de la colle ici et ici. Et ensuite, on va clouer ici et là, des deux côtés. S'assurer que ça reste bien en place lorsque ça va être monté. Ensuite, il s'agit de clouer. Donc, on a notre première boîte de montée. Il s'agit de refaire le processus un autre 10 fois. Donc, bien clouer, bien coller. J'ai dit plutôt de faire attention pour les poignées, mais les boîtes sont faites de façon à ce qu'on ne peut pas se tromper. Il y a une petite encolure sur le dessus. Et une grande en bas, donc on ne peut pas les poser à l'envers, c'est impossible. Et ça continue, ça devient même un peu répétitif. De la colle et des clous. On est maintenant rendu à deux boîtes de complétées. Et on continue. Essentiellement, une ruche extérieure, le produit fini, ça va ressembler à ça. Bon, évidemment, j'ai pas fait les cadres encore, là, j'en ai 100 à faire. Mais on continue, on finit la deuxième ruche. Donc, maintenant que les 10 boîtes sont construites, on va construire l'entrecouvert. Somme toute, ça semble très simple, là, 5 morceaux, une rainure pour insérer l'entrecouvert, coller et clouer aux 4 coins. Donc, l'entrecouvert est maintenant terminé. Bon, ben, c'est l'heure de commencer à peinturer ou teinturer les pièces de la ruche pour les imperméabiliser contre les intempéries. Donc, les couverts et les portes d'entrée sont maintenant teinturés. Et on continue. Bon, maintenant c'est le temps de commencer à construire les frames. Avec 4 morceaux, ils s'emboîtent un dans l'autre, quand même relativement assez facilement. Donc, le gros bout dans le gros bout, le petit bout dans le petit bout comme ça. On tape un peu et ça fait un frame. Lorsque c'est assemblé comme ça, on va mettre des clous à tous les coins ici, là, et l'autre côté aussi, ici et ici. Une fois fini, il va juste rester à insérer les feuilles de perco qu'on va voir plus tard, là, lorsque je serai rendu à cette étape-là. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine.